le tour de Savannah par la ravine La Plaine. Il faut se rendre à Saint-Paul jusqu'à Savannah et se garer sur le parking du centre commercial. Deux conseils pour cette randonnée, à faire plutôt en hiver pour éviter les fortes chaleurs et plutôt le dimanche pour éviter les bouchons. Après avoir traversé le rond-point, on scie les panneaux indiquant la réserve naturelle. On prend alors l'avenue du stade, on passe devant un temple. Le stade et le cinéma. Arrivé au cinéma, on prend à droite un discret sentier qui descend dans la ravine La Plaine, que l'on prend à gauche sur un chemin recouvert de hautes herbes. Au loin, on aperçoit le pont de la RN1. Une fois passé le pont, on traverse la petite route pour prendre le sentier en face pour une balade en première partie. On va longer ainsi la ravine La Plaine. On ne peut pas se tromper, il suffit de suivre les flèches orange pendant plusieurs kilomètres. La deuxième partie nous réserve un sentier plus petit, alternant montée et descente. La troisième partie est beaucoup plus technique car il va falloir escalader de gros rochers. Quant à la dernière partie, elle est très raide avant d'arriver en haut à un chemin que l'on prend à gauche. On arrive aux ruines de la station de pompage.
prend ensuite le chemin en face qui suit la canalisation pour arriver au lycée. On traverse la D4 pour prendre à gauche le chemin des Boulets. On continue le chemin sur la droite pour prendre un peu plus loin, sur la gauche, le chemin Cheval. Puis on descend le chemin Émile, qui est très bien entretenu par l'association Bac Rouge du Hangar. La descente est un peu technique à cause de la hauteur des marches. Pour ceux qui seraient encore en forme, on peut enchaîner avec le bassin vital, sinon on prend le chemin du Tour des Roches à droite, puis le chemin Pavat à gauche. On se dirige ensuite vers la prairie humide. Cette piste très agréable longe les marécages de l'étang pour arriver à la prairie humide. Après avoir traversé un petit radier, on retrouve à gauche le centre commercial.